I am a king, searching for a kingdom. I'm a man in a box. My mother said, knew that a star is born. L'initiative de base, en fait, c'est que le tatouage n'avait pas été représenté sur ce type de convention depuis 2000. Il y a toute une nouvelle génération qui vient d'arriver, qui a un nouveau style de travail, etc. Donc c'était important pour nous de montrer ce qui se fait à l'heure actuelle. C'est l'occasion de voir que l'univers du tatouage, en live, ça permet aux visiteurs ou les gens qui sont curieux ou passionnés de venir voir différents tatoueurs de différents pays. Là, aujourd'hui, si on se promène, on a des Américains, on a des Chinois, des Russes, on a du traditionnel, on a du tribal, on a un petit peu de tout. Paris, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une grosse convention comme ça. Et puis là, c'est énorme, il y a 150 tatoueurs. C'est la possibilité en un minimum de temps de rencontrer un maximum d'artistes, mais vraiment de toute la planète. C'est une bonne opportunité de venir et de voir d'autres artistes que je n'aurais jamais vu. Call a prayer, call a soul, call a price to pay. Cette année, on a les Suicide Girls qui sont présentes avec nous. C'est la première fois qu'elles font une convention en France. Des mannequins qui ont décidé d'être tatoués ou d'être percés ou d'avoir les cheveux rouges, verts, jaunes, mais qui quand même posent pour des photos. Donc c'est assez logique qu'elles soient là, quoi, en fait. Le but donc, de notre présence aujourd'hui, c'est de faire connaître le site en France. La beauté, c'est pas que ce qu'on voit dans les magazines mainstream ou à la télévision. Et justement, pour les filles qui sont un peu alternatives, c'est super agréable de faire des jolies photos. Et ça démocratise beaucoup le tatouage aussi. La démocratisation, bien sûr que c'est bien. Ça touche beaucoup plus de monde par la diversité des styles, encore une fois. Il y a des couleurs, des origines. On a un Mexicain qui fait du tatouage aztèque, par exemple. Donc voilà, ça c'est assez unique. Et il y a tellement de gens assez uniques que c'est ça qui rend la chose intéressante, quoi.